Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un oracle. Il s'agit de l'oracle coloré de l'aromathérapie d'Anne Sophie Casper et illustré par Alexandra Alzieu. C'est euh, Anne-Sophie Casper qui me l'a fait envoyer par sa maison d'édition pour pouvoir le partager avec vous. Donc, ça vient de chez euh, Eldorado Éditions, euh, les éditions Ada en fait. Voilà, Ada Group. Euh, J'aime beaucoup euh, déjà la couleur de la boîte, hein, c'est bien dans le thème. L'aromathérapie, euh, se soigner par les plantes euh, avec euh, bah, cette couleur verte comme ça. Voilà. Donc, voilà, un jeu de 44 cartes et un livret d'interprétation. Alors, euh, ici un petit mot de Anne-Sophie Casper. Je crois que les couleurs résonnent profondément avec notre inconscient et vibrent avec notre cœur. Il en est de même pour la dimension psycho-énergétique et la fréquence vibratoire des huiles essentielles. Grâce à l'oracle coloré de l'aromathérapie, vous reconnecterez avec votre enfant intérieur, votre énergie vitale et vos plus profondes aspirations. Je vous souhaite une belle découverte et une lumineuse pratique. Donc dans ce coffret unique, vous découvrirez 44 illustrations colorées. Ensemble, elles créent un herbier moderne, gracieux et élégant. Dans le livret explicatif qui l'accompagne, vous retrouverez cette méthode de tirage guidée par l'énergie des couleurs de l'oracle coloré, le premier oracle de la collection. Vous explorerez les messages, les utilisations, les saisons, les chakras et les pierres de lithothérapie des huiles essentielles à l'aide de l'oracle coloré de l'aromathérapie, vous partirez à la découverte de 44 huiles essentielles connues, arbratées, menthe, poivrée, citron, etc. Ou plus rares, comme le nard, l'hélicryse italienne, le cyprès de Provence. J'adore, moi, l'hélicryse italienne, ça sent super bon. Donc, il est au prix de 26,90 euros. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon si vous avez envie de donner un petit coup de pouce et de passer par là, et sinon, il est disponible partout. Voilà, on va l'ouvrir ensemble. Hop, donc moi j'aime déjà beaucoup travailler avec les huiles essentielles en temps normal. Donc on a ici le guidebook, voilà, tout en couleur et on a un petit pochon en organza si on veut mettre les cartes. Voilà, j'adore le dos. Bon, je me pose une minute pour enlever le blister et je reviens. Et dans l'intérieur de la boîte, vous avez un encart comme ça, mais vous pouvez l'enlever à la limite et mettre les cartes les dans le pochon. J'aime pas trop, moi, ces encarts-là. Les cartes passent souvent en dessous. Je crois que je l'enlèverai et je mettrai euh, directement. C'est sûrement pour ça qu'ils ont donné le petit pochon avec. Voilà. Donc le dos est comme ceci. Ah, J'adore. Il est vraiment super beau. Euh, tout en couleur. J'aime beaucoup. Alors, avec des belles tranches argentées. Et je trouve les illustrations très belles. Déjà, celle-ci, l'ail. Euh, j'adore. En fait, c'est les couleurs que j'adore. Regardez-moi ça. Euh, bon, le premier, je n'ai toujours pas hein, son oracle coloré. Il faudrait que je pense peut-être à, à me regarder pour me le trouver. Donc, on a l'ail, l'angélique, et on a ici, vous aurez compris, hein, l'illustration de la plante, l'arbre à thé, donc le tea tree. J'adore l'odeur du tea tree. Le basilic exotique. Donc, ce sont des huiles essentielles hein. basilic grand vert. Avec les couleurs d'aquarelle derrière, c'est trop beau. La bergamote, camomille romane, cannelle de Ceylan. Par contre, elles sont pas numérotées, donc dans le guidebook, euh, faudra chercher de nouveau par ordre alphabétique. La carotte, le cèdre de l'Atlas, le citron, le cyprès de Provence. L'encens d'Oliban qui sent très bon aussi. L'épinette blanche. L'épinette noire du coup. L'estragon. J'en ai planté dans le jardin. Il est devenu hyper grand. L'eucalyptus citronné. L'eucalyptus radié. Goltéri odorante. Le gingembre. Ah, J'en ai passé une. Le giroflier. Et l'hélicris italienne, qui est très bien pour les vieillissements de peau, les bleus, etc. J'adore. Le laurier noble. J'en ai planté un aussi. La lavande aspic et officinale. Je crois que c'est celle-ci que j'ai plantée. Officinale plutôt. La mandarine verte. Marjolaine à coquille. Très jolie. La mélisse. L'amande poivrée. J'adore l'amande aussi. Parfait pour les maux de tête, celle-ci. L'amande verte. C'est plutôt celle-là alors. Le narthe. Néroli bigarate. Le niaouli. Je vais y arriver. L'orange douce. Palma rosa. Le pamplemousse, le patchouli, petit grain bigarate, le sarah j'aime beaucoup aussi ça, le ravinsara, le romarin à cinéole, la rose de damas, le santal blanc. Le sapin baumier. Et on termine avec le ilang ilang qui est très bon pour les cheveux, ça d'ailleurs. Euh, la qualité des cartes est super. On hein, a un petit fini glossy. Et je vais juste vous montrer la taille. J'allais presque oublier avec le tarot classique. Voilà. Un peu plus haute et beaucoup plus large. Hop, hop, hop. Alors, on va. Ben voilà, juste de nouveau, j'ai fait à l'envers. Je vous montre les cartes avant de vous montrer. Euh, du coup, le livre, on va regarder du coup le livre maintenant. Alors, on a le sommaire avec l'introduction, notions préalables, mode d'emploi. Puis on a les 44 cartes classées par ordre alphabétique, les remerciements et puis qui sommes-nous Donc, une introduction. Le fameux oracle coloré dont elle parlait, des notions préalables. Monsieur va vous parler de l'aromathérapie. Hein. Voilà, et évidemment la clause qui rappelle que ça ne doit jamais se substituer à des traitements médica, médicaux plutôt prescrits par un professionnel. Un petit mot sur la chromothérapie, hein, donc la, la couleur avec les sept chakras. La lithothérapie avec les pierres. Mode d'emploi, la prise en main. Voilà, donc ici elle vous donne des petits conseils pour vous l'approprier. Et alors il y a les sept méthodes de tirage, on a le tirage du jour en une carte, le tirage de la semaine, du mois méditatif, du choix, le tirage des chakras et le tirage de l'iceberg, voilà. Ensuite, on passe aux 44 cartes, on retrouve l'illustration ici en couleur, son nom, ensuite les mots clés associés, les couleurs associées, donc les couleurs sur la carte et le message de message. Regardez comme c'est écrit. Voilà. Et alors, derrière, on a encore l'utilisation, donc l'utilisation de l'huile essentielle ou de la plante. On a la saison, le chakra et les pierres de lithothérapie, tout ça. Voilà, donc pour chaque air. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Et on va quand même aller voir à la fin les remerciements, ici. Euh, qui, un petit mot sur Anne-Sophie Casper, tous les jeux qu'elle a déjà faits, on en avait pas mal, hein. et les livres, un petit mot sur l'illustratrice. Alexandra Alzieu, voilà, et euh, bah, ce qu'elle a déjà fait aussi, ses autres collaborations. Voilà pour ce livre. Donc on va mélanger les cartes et on va en tirer une et on ira lire. Du coup, ce qui est écrit euh, dans le livret. J'adore ce dos. Regardez-moi ça comme c'est beau quand on le mélange. Ça mélange très bien. Donc je fais de fini. Voilà. Et on va prendre bah, celle-ci par exemple. La lavande aspic, voilà, on va aller du coup la chercher ici, donc soit par ordre alphabétique, soit vous allez voir dans le sommaire, voilà. Donc la lavande aspic, les mots clés associés, l'ancrage, le deuil, l'équilibrage, euh, l'équilibre dynamique intérieur, la libération des émotions, la cicatrisation, la régénération sur tous les plans, la relaxation, le détachement et la mutation. Pour les couleurs, le rouge grenat et le noir ébène de l'oracle coloré. Leurs mots-clés sont la libération, la métamorphose, l'affirmation de soi, l'arrêt et la fin. Message de message. La carte de l'huile essentielle de l'avande aspic embaume votre tirage d'une fraîche odeur herbacée qui sait calmer les esprits même les plus agités. Cette huile vous promet une nouvelle version de vous-même plus heureuse, détachée et épanouie. Mais pour atteindre cette libération sur tous les plans, il est primordial que vous y mettiez du vôtre. Ne fuyez pas votre responsabilité et acceptez de faire le deuil de l'ancien pour accueillir la nouveauté. L'huile essentielle de lavande aspic vous accompagne vers un Chant des possibles, sans doute encore méconnu, alors gardez votre foi et votre confiance intacte. Vivez cette fin, une, un contrat de travail, d'un cycle, une relation, d'une étape de vie, en cultivant la patience pour cicatriser en profondeur afin de vous régénérer durablement. Cette huile essentielle vous apportera la puissance nécessaire, à la fois forte mais douce, pour affronter et accepter la réalité. Fini le temps du déni, il est important que vous abandonniez tout ce dont vous n'avez plus besoin pour tourner la page et écrire le nouveau chapitre de votre vie. En utilisation, votre peau est rouge et crevisse car vous avez pris un coup de soleil. Pas de panique, faites appel à la lavande Aspic. Sur la zone concernée, appliquez tout d'abord un gel d'aloe vera frais. Après absorption, absorption complète de ce baume naturel, appliquez une goutte d'huile essentielle de lavande aspic mélangée à 10 gouttes d'huile végétale de votre choix. Massez doucement pour faire pénétrer le mélange. Alors, on a son nom latin, la partie distillée, donc les sommités fleuries. Euh, la saison, en automne, vous lâchez prise et retournez à l'essentiel. La chaleur diminue, la lumière décline et les arbres se parent de leurs couleurs chatoyantes. Comme le rythme ralentit progressivement, il n'y a de place que pour le strict nécessaire. Dites bye-bye au superflu. Pour le chakra, c'est le chakra racine, base ou muladhara en sanskrit, qui est situé entre l'anus et le sexe au niveau du périnée chez l'homme et de l'utérus chez la femme. Les pierres de Bon, toutes mes excuses pour se fourrir, mais j'ai mes deux, mes deux loustiques derrière qui, qui trouvaient ça très drôle, ce que je viens de dire. Voilà. Ah, désolé. Alors, la pierre de lithothérapie, la septaria noire, l'obsidienne et la tourmaline noire. Voilà. Donc, vous voyez que vous avez pas mal de choses pour chaque carte. Euh, moi, je le trouve très, très chouette. J'aime bien, moi, les oracles bah, sur les huiles essentielles. J'adore le dos. Je le trouve vraiment magnifique. Les illustrations aussi très colorées. Il euh, faudra vraiment que je regarde une fois pour me procurer euh, ce fameux oracle coloré. Voilà, et puis en plus on parle bah, de l'utilisation euh, de l'huile essentielle, euh, de la saison, du chakra, la pierre associée. Je le trouve très très complet. Voilà, du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'avez, ce jeu, parce qu'il est déjà sorti depuis un petit moment, si vous le connaissez, euh, si vous aussi vous le trouvez beau ou pas. Enfin, dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça, on partage tout ça ensemble, comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous